L'extradition des anciens ministres d'Alpha Condé vont se poursuivre ce lundi, 4 avril 2022. Selon les informations confiées à Guinée-Matin.com, quatre d'entre eux sont attendus aujourd'hui à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie. Il s'agit de Kassori Fofana, l'ancien premier ministre, porté récemment à la tête du RPG Arc-en-Ciel, l'ex-parti au pouvoir, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale et des Affaires présidentielles, Oy Guy Lavogui, ancien ministre de l'Environnement, et Diakaria Koulibaly, ancien ministre des Hydrocarbures. Nos sources indiquent qu'ils seront entendus sur la gestion de leurs départements respectifs, sans dire s'il y a des dossiers précis sur lesquels ils seront interrogés. Ibrahima Kassori Fofana était déjà passé devant la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie. À l'issue de son audition, il était sorti, décontracté et très souriant. Reste à savoir si la situation sera la même pour lui aujourd'hui. Ismaël Diobaté, l'ancien ministre du Budget, et Dr Lounseni Nabé, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale, eux, sont déjà en prison. Après avoir été entendus par les investigations judiciaires, ils avaient été conduits à la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, où ils ont été inculpés et placés en détention préventive à la maison centrale de Conakry.